Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo 24 heures dans ma vie d'étudiante et de jeune maman. Donc bienvenue au nouveau et merci aux anciens d'être toujours présents. Parce que je suis vraiment occupée parce que aller au travail, s'occuper de son enfant, tout ça. En plus j'avais personne pour garder mon fils, je trouvais pas de crèche. Et là ça commence à se mettre en place, ce qui fait que on va mieux démarrer, mais franchement, c'était vraiment compliqué du mois de septembre. Non, du mois d'août jusqu'au mois de septembre, parce qu'au mois d'août, j'étais en train de me préparer à aller en cours. Mentalement, physiquement aussi, parce que c'était vraiment chaud. C'était la course, tu vas ici, tu déposes ton fils, tu reviens travailler. On peut parler. Du coup, je disais que j'allais essayer de vous montrer du mieux que je peux mon organisation pour pouvoir aller au travail et m'occuper de mon fils, enfin déposer mon fils, comment le planning se fait. Il est actuellement 22h. Voilà, j'ai fini de prendre ma douche. J'ai déjà mangé, j'ai douché mon fils. Il me reste à faire ma nourriture pour demain parce que je dois faire toujours une gamelle pour travailler. J'ai pas le droit de sortir avec le Covid et tout. Il y a des protocoles qui sont vraiment stricts. Du coup, je dois me faire une gamelle. Et préparer tout simplement la journée de demain. Ça fait 3 mois maintenant que je me maquille pas. Et genre avec le masque là, on peut pas parler ici. Ça fait, du coup je disais que ma peau elle est dégueulasse. Pourtant ça fait 2 mois, voire 3 mois que je me maquille plus. En fait avec le masque c'est impossible de vivre. Genre le masque il me donne des boutons. C'est incroyable alors que je les change hein, chaque 4 heures. Donc, enfin je respecte le protocole et tout mais c'est pas possible. Regardez, wesh. C'est incroyable comment ça détruit la peau. J'espère qu'ils vont l'enlever vite fait parce que... Hâte de respirer. Hein. Je vais vous prendre avec moi pour préparer ma nourriture demain. Ma petite gamelle. Et c'est parti. Hop. Du coup, voilà, j'ai terminé. Le poisson, il est mélangé avec le riz. Là, il y a du poulet. Et là, il y a un morceau de camembert. Voilà. Là, il est minuit 25. En temps normal, j'ai fini bien plus tôt, mais j'ai un peu traîné, je regardais ma série, tout ça. Donc là, je vais aller me coucher. Il y a mon fils qui dort. J'ai fait son sac allongé. J'ai mis tout ce qui est biberon, couche, tout ça, nanana, pour préparer la journée demain. Comme ça, je me lève. Tac ou tac, brossage de dents, toilette, habillage, je me casse. Donc là, je vais dormir. Ce que je fais, parce que moi, je dors hyper, hyper tard. J'anticipe tout. C'est-à-dire le sac du petit, mon sac à moi pour le lendemain, comme ça quand je me réveille j'ai juste à me laver, m'habiller, prendre les affaires et partir. Parce que quand je fais le matin je trouve qu'il y a trop de précipitation et on oublie beaucoup de choses. Donc je préfère tout faire, mettre les jeans, tout, puis je me casse. Voilà, comme ça au cas où je me suis pas réveillée, je peux pas être en retard. En fait avant j'étais trop en retard et j'étais une meuf toujours en retard, mais maintenant là avec un enfant de toute façon c'est obligé, faut tout anticiper. Et puis voilà, du coup sur ce je vous souhaite une excellente nuit, à demain. Voilà, bonjour. Là je viens de me réveiller, il est 9h, j'ai trop dormi hier, je me suis couchée à 2h, je suis une folle sachant que je devais me lever ce matin à 8h. Mais voilà, j'étais trop fatiguée, du coup j'ai grave dormi. Je me sais même pas pourquoi laver le visage, je vais le faire. Brosser les dents, faire ma toilette, la toilette du petit aussi, l'habiller. Et on se rejoint tout de suite avant de partir, je vais vous montrer mon outfit. Je dis à tout à l'heure. Ça va, j'ai de bonne humeur aujourd'hui. Ah bah, c'est qui d'ailleurs, la dose est montée. Et Dieu, si y a pas 10, moi il vient pas. Pas bien. C'est ma peau, j'utilise le beurre de karité 100% naturel. Comme ça, vient du lait. Donc voilà, ça me fait un bien fou. Surtout depuis que j'ai accouché. Genre, ça me fait du mal quand ça y prend bien. On dirait que j'ai mis de l'highlight. C'est incroyable. Du coup, voilà mon outfit.
petites bottes, pantalons cuir, col roulé marron, comme ceci. Bon les gars, là j'ai complètement raté mon bus. Ah le soleil, je vais me mettre comme ça. Oui, c'est beaucoup mieux. Donc comme je disais, j'ai complètement raté mon bus. Il est passé une minute en avance devant moi en plus, je suis trop deg. Là je vais marcher pour aller au tram. Je vais aller jusqu'au tram parce que j'ai pas le choix. J'ai 10 minutes à pied de base. Ah là là, il y a trop de bruit. De base, je prends le bus qui me dépose au tram en même pas 2 minutes. Puis je prends le tram pour aller directement au travail. Mais voilà, du coup là je vais marcher. En plus avec la poussette, c'est pas évident. J'essaie de faire le vite que je peux, mais on verra bien ce que ça va donner. Donc là j'y vais. Du coup là je suis arrivée sur mon lieu de travail, je suis au parking. Je vais aller au travail. Du coup là je suis arrivée. Je vais au travail, j'ai déposé mon fils, je sais non, heureusement qu'elle est juste à côté. Je vais travailler. Voilà. J'ai une demi-heure de retard, c'est incroyable. J'ai jamais été autant en retard. Il est grave tranquille ce mec. Il attend. On attend le tram. Aïe. Il y a enfin le tram. Alléluia. Et c'est parti. Il y a la cathédrale juste là. Trop beau. Le tram il vient en 3 minutes. Du coup là je suis rentrée à la maison. Je vais faire à manger. Mon fils il est avec son papa. Il est en train de prendre son bain. Moi je vais me mettre à la cuisine parce que j'ai envie de manger africain. Donc voilà, la sauce gombo avec du placali, je vous montrerai la fin. Et si jamais vous voulez la recette, vous avez juste à me le dire dans les commentaires et je vais vous la faire. Du coup là, monsieur en action. Transpiration, est-ce qu'il y a la goutte de transpiration? Il y a la goutte de... Les traditions. C'est la première fois qu'il fait. Du placali du coup, c'est du gombo. En train de cuire, j'ai mis du gombo sec. Avec du gombo frais, mais la couleur elle est comme ça. Enfin, je sais pas, ça doit être comme ça. Mais ça doit être plus vert qu'autre chose. C'est juste que j'ai beaucoup mixé. Façon ghanéenne. Donc voilà. Allez, monsieur, attaque. Attaque. Est-ce que ça soit aussi jaune que mon t-shirt? Non, même pas. En fait, c'est jaunasse. Genre, c'est pas jaune, tu vois. C'est jaunâtre. C'est jaunâtre. Pas jaune. Eh, je connais mon. Pardon. Voilà. Il y a le petit qui dort juste là-bas. Ben, c'est pas notre problème. Que je vous dis à très très bientôt. Inch'Allah. Parce que je dis ça, mais je reviens 2-3 mois après. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. C'est un peu n'importe quoi, comment je vous dis au revoir, mais j'ai pas le choix. Je suis fatiguée, il est 23h, faut que je dorme parce que demain j'ai une longue journée. Donc voilà. Bisous. Bisous la commu. Bisous.